Hello les amis, eh bien j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jour 4 et c'est parti. Allez, aujourd'hui ça va être posture debout. Donc on va commencer en écartant les jambes largeur des hanches. On relâche bien ses épaules vers l'arrière, on relâche ses bras. Et on va simplement fermer les yeux quelques instants pour se centrer sur sa respiration. Allez, je respire par le ventre, je gonfle mon ventre à l'inspire, je rentre à l'expire. Je gonfle, j'expire. Donc là, je vous ai montré en mettant mes mains sur mon ventre, vous pouvez maintenant relâcher les mains sur les côtés, relâchez bien les bras. Respirez, ayez conscience de votre respiration et laissez monter la détente par les pieds, puis les chevilles, les genoux, les cuisses, les hanches, le dos se détend, les épaules se détendent et se relâchent, les bras se relâchent. La tête se relâche et se détend. Ok, là vous devez sentir tout votre corps relâché et détendu. Ressentez dans vos mains comme si vous aviez une boule d'énergie qui est posée dans les mains. Donc on va rassembler les mains au milieu devant soi. On rassemble ses mains devant soi pour justement tester et tenter de toucher cette boule d'énergie qui s'est faite devant soi. Vous la sentez là? Là, voilà, la voilà. La voilà, elle est là. Donc on la manipule un petit peu. Ok, on la sent bien. Et une fois qu'on l'a bien sentie, on va lever ses mains. Ses deux mains, en gardant les deux mains, la boule dans ses bras, dans ses mains, pardon. On vient au-dessus de sa tête. Et on va lâcher cette énergie au-dessus de la tête en faisant glisser ses mains sur tout le corps et ressentez l'énergie qui se diffuse dans tout le corps, cette belle boule blanche qui se diffuse et vient se propager dans tout le corps. Et je respire. Je respire. Ok. Je reste dans cette position, je peux ouvrir mes yeux, je relâche un peu les genoux, hein, je ne les tends pas complètement, je les relâche un tout petit peu. Je vais faire des petits mouvements circulaires vers l'arrière avec mes épaules. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Allez, tranquillement. Et puis je fais pareil de l'autre côté. Vers l'avant, j'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Ok, puis je viens bouger juste le coude. Et puis le bras. Ok, dans l'autre sens, je reviens vers l'avant. Ok, je relâche et je fais pareil de l'autre côté. Le coude vers l'arrière. Puis je rajoute mon bras vers l'arrière. Ok, et vers l'avant. Super. Bon, comme d'habitude, hein, nous avons les chiens qui participent à la séance. Ok, et je relâche. Je relâche bien mes bras. Allez, je vais écarter mes jambes. Hop, je vais faire un grand pas comme ça. J'écarte les jambes. Je vais garder mes deux pieds en parallèle. Je vais tendre les bras sur les côtés. Et je vais simplement, les paumes de main sont tournées vers le sol, je vais simplement faire tourner sur les côtés. Donc j'inspire au centre. J'expire, je tourne.
Et quand je tourne, je vérifie est-ce que mes deux bras sont sur la même, soit sur la même ligne. J'inspire, je reviens, j'expire. 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 Et au prochain coup, je lève le pied. Je vais lever mon pied gauche pour aller un peu plus loin. J'inspire. Hop, et je reviens. Maintenant, pied droit. Ok, je reviens. Encore. Hop, travailler ses hanches. Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez peut-être un peu sentir les hanches qui travaillent. Ok. Allez, un de chaque côté. Un. Ok, et l'autre. Ok, je relâche. Allez, secouez un peu les bras. Ils ont travaillé. Hop, on les secoue. Je reste toujours mes jambes écartées et je vais basculer vers l'avant. Donc, je vais crocheter mes mains à l'arrière. Hein. Je crochète mes deux doigts à l'arrière et je bascule tranquillement à l'avant, dos plat. Donc, j'inspire et j'expire, je descends doucement. Et je relâche. Et mes bras, ils suivent aussi, hein, ils descendent. Et j'inspire, je remonte. Ok. Super. Allez, on refait. J'inspire. Et j'expire. Et relâchez bien les bras. Sentez bien qu'ils partent tout seuls aussi. Et j'inspire, je reviens. Ok, super. Voilà, et je relâche les bras. Ok. Je vais faire la même chose en gardant mes mains sur les côtés. Je vais descendre à plat vers l'avant. J'inspire. Alors, si vous voulez, vous pouvez même mettre les mains sur les hanches, si c'est mieux pour vous. Et je descends dos plat. Hop, là, je rejoins mes deux mains au sol et je pose mes deux mains au sol. Quoi, mes deux bouts de doigts au sol. Et mon dos est plat. Puis tranquillement, je vais venir déposer ma main gauche à plat sur le sol. Les doigts sont vers l'intérieur. Jusque-là, tout va bien. Puis je vais inspirer en levant le bras droit vers le ciel et regarder vers le ciel. J'expire, je ramène la main droite entre mes pieds. Et j'inspire, je monte le bras gauche. Et j'expire, je ramène. Ok, je vais rattraper mes deux coudes avec mes mains. Une main sur chaque coude. Et je relâche le haut de mon corps. Donc balancer, balancer, balancer le haut du corps. Pour bien le relâcher. Ok. Et puis tranquillement, je relâche les bras. Je fléchis légèrement les genoux et je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. Hop là, et je redresse la tête tranquillement. Ok, je reste dans cette posture. Je garde mon pied droit tel qu'il est. Je vais pivoter simplement mon pied gauche. Ok, je vais plier ma jambe gauche et venir poser mon coude gauche sur ma cuisse. Jusque-là, tout va bien. Une fois que je suis dans la posture, je vérifie mon alignement de mes deux talons. Puis j'inspire le bras vers le ciel et le bras retombe. Et là, alors je ne suis pas tout est gainé en fait. Hein. Quand on est dans cette posture, on gaine son corps. Donc on serre les abdos et on serre les fessiers. C'est pas une posture où on est tout ramollo. Fais quelques respirations. Et on revient et on va basculer du coup de l'autre côté. Donc je pivote mon pied droit, je ramène mon pied gauche, je fléchis ma jambe droite, je pose mon coude droit, j'inspire vers le bas et je remonte. Voilà. Et je gaine. Et je respire.
Ok, et je reviens. Ok, je vais garder mes deux pieds légèrement écartés. Je ne les mets pas en parallèle ce coude-ci, je les mets écartés. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et j'expire, je descends dans la déesse. J'inspire les bras vers le ciel. J'expire, déesse. J'inspire les bras vers le ciel. J'expire, déesse. J'inspire les bras vers le ciel. J'expire, déesse, et je reste. Et je tiens un petit peu. Allez, un petit peu. Et j'inspire, je remonte et je ramène les mains vers le cœur. Hop là, et je relâche. Hop, je rassemble mes pieds. Hop, simplement, comme ça, je pose une main sur le ventre, une main sur le plexus. Je ferme les yeux quelques instants. Et je reprends une respiration lente et profonde. Donc j'inspire par le ventre qui se gonfle. Et j'expire, je rentre mon ventre. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je rentre le ventre au maximum. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire et je ressens à l'intérieur de mon corps toutes les cellules qui s'agitent et qui ont de la joie. Observez, vous sentez. Et vous n'avez peut-être pas oublié votre boule de lumière qui est toujours à l'intérieur de votre corps, qui vous a donné toute l'énergie pour faire la séance. Eh bien, on va ramener les mains vers le cœur et on va remercier. On remercie cette énergie qui nous a permis de faire la séance. Et je vous remercie aussi de m'avoir suivi pour ce 4e jour. Et je vous dis à demain. Allez, salut les belles âmes. À demain. Bye bye.